Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le dimanche 16 juin 2024. Il est 17h et j'ouvre la 24e visioconférence de la série Les Galactiques 2024. Je rappelle à toutes fins utiles que toutes les informations que je présente sont strictement et exclusivement de sources extraterrestres. Elles me sont transmises noir sur blanc, en live, à l'écrit et en audio par mon principal contact extraterrestre Zen depuis le début de l'année 2016, c'est-à-dire 8 ans. Je les ai enregistrées et ce que je partage reflète au détail près ce qu'il m'a transmis. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen en train de me parler dans la vidéo 115 publiée en 2023. Et vous pouvez retrouver une partie des informations que je vais fournir aujourd'hui dans mon livre Premier Contact. Dans leur relation avec notre planète, les extraterrestres utilisent une structure de type pyramidal qui a été appelée tour à tour le Haut Conseil Andromédien, puis la Fédération Unie des Planètes, qui s'est dissoute en 2018-2019 pour recomposer l'Alliance des Sphères Bleues et finalement la Fédération Galactique des Mondes. Sur Terre, la Fédération Galactique des Mondes est un concept qui a été maintes fois mentionné dans des contextes ufologiques. Elle est présentée de plusieurs manières. Certains la présentent comme quelque chose de lumineux, une grande fédération de civilisations, d'univers multiples, de galaxies et de planètes, travaillant à la réalisation de l'existence harmonieuse de toute vie. Ils insistent sur le fait que c'est une civilisation galactique de lumière, d'amour et de service, constitué de nombreuses civilisations intergalactiques qui se sont réunies pour ne faire qu'un. Leur mission serait de protéger et d'éclairer les autres civilisations, ainsi que de les aider dans leur ascension spirituelle et pour les libérer de leurs oppresseurs. Ces présentateurs qui insistent sur le fait que l'humanité va être libérée de manière imminente ne le font que pour les likes, être connus, acquérir une certaine notoriété, et d'autres, de manière plus sombre, disent que les groupes qui soutiennent la Fédération Galactique de Lumière sont des agents rémunérés par certains organismes terrestres qui diffusent de la désinformation ou orientent l'opinion des populations dans des buts donnés au travers de programmes, par exemple le mouvement New Age des années 60 jusqu'à nos jours. De plus, il y a aussi certaines lignées extraterrestres qui ont quitté la Fédération et, en se positionnant comme lanceurs d'alerte extraterrestres, divulguent des informations contre la Fédération en disant que ce sont tous ses membres qui initient, organisent, participent et contrôlent tout le chaos sur Terre. La nature de la Fédération. C'est un consortium composé d'élites terrestres et extraterrestres qui gouvernent notre planète selon certaines directives dont j'ai parlé la semaine dernière, avec des programmes préétablis et des buts spécifiques. La structure de cet organisme est similaire à celle de la société terrestre qui s'étage en pyramide comme le graphique que vous voyez derrière moi. Les structures gouvernementales et de pouvoir sur Terre sont organisées de la même manière en forme de pyramide. Ce qui est visible se trouve à la base de cette pyramide et l'invisible et ce qui est oblitéré, c'est-à-dire tout ce qui est extraterrestre,
se trouve tout en haut de la pyramide. Les structures terrestres sont des copier-coller de celles qui existent hors planète et qui sont celles de certaines sociétés extraterrestres. Elles ont tout simplement évolué ici sur Terre depuis leur mise en place d'une manière qui lui est propre. La Fédération a trois rôles principaux. Réguler les relations et les accords entre diverses lignées extraterrestres et la Terre. La Terre n'est pas une planète indépendante, c'est une planète fortement réglementée à l'intérieur de la zone spatiale où elle se trouve et qui est contrôlée par la Fédération galactique et sous sa surveillance étroite. C'est la Fédération galactique elle-même qui contrôle dans les coulisses les structures de gouvernance et de pouvoir sur Terre. Son second rôle est de réguler les vols des lignées interstellaires qui évoluent en orbite et entre une partie de l'espace et la Terre. Et son troisième rôle est d'aider les Terriens et les sociétés dans leur évolution collective et individuelle. Alors, qu'en est-il exactement? Permettez-moi de vous faire part de ma propre expérience dans mes relations avec ce consortium. J'ai commencé à être en contact frontal avec la Fédération galactique depuis le début de l'année 2016, lors de mes premiers contacts, grâce à certains de ses membres terrestres et extraterrestres, et surtout grâce à Zen. Il faut dire que les choses ont beaucoup changé en 8 ans, mais voici ce que j'ai pu remarquer. Premièrement, la Fédération est véritablement le contrôleur de la Terre. Le système solaire Sol 13, où se trouve notre planète, est situé dans un quadrant de la galaxie qui est dominé par la Fédération galactique. C'est une zone spatiale à fort trafic extraterrestre où évoluent des milliers de vaisseaux spatiaux et tout pilote qui consulte son tableau de navigation, comme Zen par exemple, peut voir où se situe la Terre, elle n'est pas cachée. Donc, lorsqu'un organisme terrestre gouvernemental dit qu'il ne veut pas envoyer de signaux ou de messages parce que cela pourrait attirer l'attention de lignées régressives et que nous risquerions d'être attaqués, c'est de la désinformation. La Terre est visible, donc tout groupe extraterrestre mal intentionné qui voudrait la cibler et l'attaquer pourrait le faire ouvertement et en quelques heures. Mais comme c'est la Fédération qui contrôle toutes les communications et tout ce qui se passe autour de la Terre et sur Terre, ça n'est pas possible. De plus, mes contacts directs avec Zen, les Andromédiens, les Pléiadiens et d'autres lignées sont la preuve incontournable que les contacts et divulgations sont gérés et autorisés par la Fédération galactique qui en a la responsabilité. La Fédération contrôle absolument tout ce qui entoure la Terre. S'il y avait une attaque de lignée régressive, c'est elle qui interviendrait en premier. Par conséquent, le manque de divulgation n'est pas dû à ce genre de situation, mais à une volonté et à des décisions prises consciemment au plus haut niveau terrestre et extraterrestre de la Fédération galactique. La Fédération est un consortium gigantesque et extrêmement puissant, car elle est composée d'innombrables lignées, espèces et cultures qui travaillent ensemble en bonne coopération. Bien sûr, il y a quelquefois des conflits au sein de la Fédération, mais généralement, ils se règlent. Il y a 8 ans de cela, mes contacts avaient décrit certaines lignées, notamment les lignées reptiliennes des draconiens, des étortans ou des maîtres, les grands gris, comme régressives
et qui utilisait l'humain terrestre comme source nutritionnelle. Mais il semblerait qu'au fil des ans, ces lignées aient changé leur comportement et soient devenues coopératives et amicales avec l'ensemble des membres qui composent la fédération. Beaucoup de terriens attendent des preuves annoncées officiellement de l'existence des extraterrestres. Mais la question n'est pas de savoir si les extraterrestres existent ou non, car non seulement vous m'entendez partager avec vous ce qu'ils m'ont dit en vous donnant des preuves écrites et orales dans mes vidéos, mais ils sont aussi physiquement implantés partout sur Terre, dans des bases souterraines ou en surface, dans des laboratoires en Antarctique et dans d'autres lieux, ou des planques plus discrètes dans différents pays. Et ils sont également impliqués dans tous les domaines de la vie sur Terre. Ces extraterrestres qui vivent sur Terre ou interviennent sur Terre le font également sous la direction et le contrôle de la Fédération galactique. Ce qui signifie qu'il existe bien des exceptions à la règle qui sont autorisées par les membres représentants de la Fédération. La structure interne dans l'espace de la Fédération galactique est basée sur le modèle andromédien, comme le sont pratiquement toutes les sociétés extraterrestres qui utilisent ce modèle d'une société holistique ou holographique. Le fonctionnement de cette structure s'appuie sur des réunions de différents conseils où des thèmes sont discutés afin de parvenir à une solution, une décision ou une action. Chaque conseil se compose d'un groupe de personnes appartenant à une ou plusieurs lignées assises en cercle pour que tout le monde puisse se voir autour d'une table ronde au-dessus de laquelle est projetée une sphère holographique, la Terre par exemple. Mais la salle de réunion peut être aménagée différemment avec des canapés confortables par exemple ou tout autre lieu qui permet de discuter efficacement. Les membres du conseil sont les représentants de leur lignée et souvent des experts du thème qui est le sujet de la discussion et eux-mêmes sont guidés par une série de responsables politiques choisis qui occupent un poste plus ou moins permanent ou président au sein d'un conseil. Les experts en la matière sont ensuite invités à exposer leur point de vue jusqu'à ce que la solution au problème soit trouvée en utilisant l'éthique et la logique et ce que le conseil estime être le mieux pour chacun. Il faut noter cependant que le système de vote n'est pas un système similaire aux sociétés démocratiques terrestres. Toutes les décisions sont prises en utilisant la logique la plus proche du problème et utilisée, solutionnée avec éthique. Et toute personne est entendue qui aurait un avis différent ou des idées non encore évoquées. Dans ce type de société, tout le monde peut être membre d'un conseil local quand il le souhaite, y compris les enfants qui peuvent assister aux réunions du conseil, ainsi que dans toutes les décisions qui décident de leur éducation. Ce système de conseil dans la plupart des civilisations extraterrestres est appelé un système de conseil par niveau, car il est composé d'une série de conseils plus petits qui contrôlent et veillent aux intérêts des communautés locales, par exemple un village, et lorsqu'un problème dépasse leur capacité à le résoudre, ils demandent l'aide du conseil de la ville, qui à son tour s'occupe et contrôle une région plus vaste jusqu'au conseil planétaire. Et cela se répète jusqu'à ce que le problème apparemment insoluble atteigne le haut conseil qui contrôle et s'occupe d'une planète ou d'une civilisation entière, donc le haut conseil de la Fédération galactique. La Fédération galactique qui s'occupe de la Terre est organisée de cette manière. Il s'agit d'une série de conseils de niveau identiques
à celle trouvée au sein des lignées extraterrestres qui la composent. La fédération du cadran où se situe la Terre est structurée exactement de la même manière. Pour découvrir davantage de détails sur ce type de société, vous pouvez visionner ma vidéo intitulée L'ordre planétaire contrôlé par des extraterrestres. Voyons maintenant la structure de la fédération au niveau de la Terre. Premièrement, le premier niveau du Conseil qui gouverne la Terre se réunit sur Terre dans une base souterraine en Antarctique. C'est dans cette base que le niveau extraterrestre rencontre le niveau terrestre humain. C'est dans cette base que les représentants des races extraterrestres impliquées dans les affaires de la Terre rencontrent certains élus politiques de différents gouvernements, des membres sélectionnés de sociétés secrètes et des membres de la Kabbale. Officiellement, les lignées extraterrestres qui sont en contact direct avec les élites terriennes, qui leur parlent et qui organisent les programmes au niveau terrien, sont les 12 lignées extraterrestres qui avaient un siège à la Fédération galactique quand moi j'ai commencé mes contacts avec eux et que je présenterai une par une en détail à partir du mois prochain et de la visioconférence numéro 27 du dimanche 7 juillet. Le deuxième niveau du Conseil qui gouverne la Terre se réunit dans l'espace, à l'intérieur de Viera, la gigantesque biosphère artificielle andromédienne qui est cachée derrière la Lune. Je présenterai ce vaisseau dimanche prochain, 23 juin. Ce vaisseau est le siège de la Fédération galactique en charge de la Terre et il s'appelle le Conseil en charge des affaires terrestres depuis très longtemps. Leurs réunions se tiennent dans une salle sur l'un des ponts de Viera, où tous les membres de la fédération qui s'occupe de la Terre se réunissent tous les samedis. Et souvent, je ratais des réunions avec Zen ou d'autres contacts parce que le samedi avaient lieu ces réunions de la fédération. Toutes les communications entrant sur Terre depuis l'espace doivent passer par un centre de communication principal situé dans la biosphère andromédienne Viera. La Fédération a imposé que toute personne se trouvant sur l'orbite terrestre ne puisse accéder aux communications sur Terre qu'en utilisant l'Internet terrestre. Ils ne peuvent donc pas utiliser leur technologie avancée. Lorsqu'ils communiquaient avec moi, ils étaient obligés de passer de leur système et de leur technologie avancée et de les transformer en fréquences qui pouvaient atteindre un système sur Terre. La Fédération était composée de 12 sièges occupés par des lignées différentes. Mais même si elle s'est dissoute en 2018-2019, ce sont toujours les mêmes lignées qui interviennent dans les affaires de la Terre. Ils suivent le calendrier terrestre et les jours de la semaine, alors que la notion de temps est différente chez eux, pour une question de logistique et de synchronisation entre les représentants ou les contactés extraterrestres et terrestres. Il y a en effet un décalage horaire entre ce point dans l'espace et la Terre. À titre d'exemple, Zen avait une horloge pour pouvoir me parler et être à l'heure de nos rendez-vous qui était réglée sur l'heure de Paris et qui prenait quelques minutes de retard. Il était obligé de la remettre à l'heure tous les jours. À ce niveau, les membres des différentes lignées extraterrestres sont des groupes d'individus coopératifs et compréhensifs qui font tout ce qu'ils peuvent pour aider les habitants de la Terre. Ils semblent très préoccupés par tous les problèmes et les dangers que rencontrent les populations terrestres actuellement. Ils ont également exprimé leur frustration de ne pouvoir aider davantage
ou lorsqu'ils ne parviennent pas à trouver des solutions adéquates. Ils ont l'impression d'avoir les mains liées parce que les actions auxquelles ils pensent ne peuvent être autorisées qu'à des niveaux supérieurs et ils manquent eux-mêmes des ressources ou des outils nécessaires et sont souvent tenus dans des rôles de conseil et d'orientation par la Fédération galactique ou les autres membres de la Fédération galactique. Troisièmement, le troisième niveau du conseil qui gouverne la Terre se réunit dans l'espace et a son siège dans les anneaux de Saturne ou certaines de ses lunes. Ils utilisent aussi d'immenses biosphères triangulaires ou sphériques comme base. Il s'agit du Haut Conseil au niveau du système solaire Sol 13, où se prennent toutes les décisions concernant notre système solaire. Les informations de ce niveau de contrôle de la Fédération sont rares et même absentes au niveau de Viera, et donc je n'en ai pas beaucoup non plus. Les Andromédiens assurent que ce sont des lignées coopératives qui aident aussi la Terre. Mais le Conseil de la Fédération au niveau de Saturne est le niveau ultime de la Fédération galactique qui supplante tous les autres. Sur Terre, leur présence dans tout ce qui est développé est ressentie notamment au niveau des sociétés qui s'occupent de l'espace, qui sont marquées par des anneaux, les anneaux de Saturne. Pour quiconque ayant quelques connaissances sur cette symbologie, il est facile de voir à quel point les multinationales, les organisations privées et secrètes et les gouvernements qu'ils contrôlent vénèrent Saturne, y compris la prolifération de cubes noirs sur toute la Terre et qui représente également Saturne. Le reste des niveaux de la Fédération galactique au-dessus du niveau de Saturne et qui concerne notre système solaire se déroule sur la demande d'autres systèmes solaires que le nôtre. Ces conseils supérieurs sont composés de représentants de niveaux planétaires et des systèmes solaires délignés concernés qui ont demandé à réunir les conseils supérieurs pour leur propre système solaire. De nombreuses personnes sur Terre, adeptes d'ufologie, de mystères et d'espace, considère la Fédération galactique comme une organisation d'ordre éthérique composée d'êtres illuminés, de maîtres ascensionnés ou de densités plus élevées ou d'amour pur, ce qui ne correspond pas ou très peu à la réalité extraterrestre et ce qui rend ces personnes terriennes susceptibles de manipulation de la part de leurs congénères terriens. La taille et la puissance de la Fédération s'estompent dans les profondeurs de l'espace. Partout où nous voyons un soleil, une étoile, la Fédération est présente sous une forme ou sous une autre. C'est une immense et incroyable organisation qui garantit la sécurité et la coopération positive entre tous ses membres et la Terre. Et elle est considérée comme l'exemple politique ultime de coopération par toutes les lignées extraterrestres et la nôtre.